Bonjour chers spectateurs, je m'adresse également aux détraqueurs et à tous ceux qui essayent de nous démasquer en disant que tout est faux, tout n'est que de la tromperie, que tout ce n'est pas vrai. 400 Hz pour l'aviation, 200 Hz pour les outils électriques et que nous ne donnons que de fausses informations. Je voudrais vous rappeler que dans les premières étapes, avec la même inspiration et la même énergie, vous avez prouvé que tout serait volé, que tout argent serait transféré aux îles Canaries. Mais non, les fonds n'ont pas été volés. Ils ne sont ni aux Canaries, ni ailleurs. Cependant, nous avons construit le bâtiment du BTEI. Les travaux avec les réseaux de viabilisation extérieure sont maintenant dans leur phase finale. Mais est-ce que quelqu'un s'est excusé pour ces mots? Quelqu'un a parlé des centres commerciaux en disant que nous irions faire un autre centre commercial. Mais maintenant, nous sommes dans le laboratoire. Où est le centre commercial? Est-ce que quelqu'un s'est excusé de l'avoir dit? Est-ce que quelqu'un a avoué qu'il avait tort? Non, rien de la sorte. Je m'appelle Dmitri Douyunov. Vous voyez, il est très facile de trouver. Mon nom, mon prénom, mon emplacement, tout cela est largement connu. Mais vous, les détraqueurs, qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Ils se cachent toujours sous des surnoms. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez que parler. Cependant, toute personne normale qui a des principes et qui comprend qu'elle a tort, elle finit toujours par s'excuser. Vous n'avez pas assez de courage. Par conséquent, vous vous cachez derrière des surnoms. Car vous avez honte de montrer votre visage. À présent, de nouveau. Ces gens n'ont pas d'arguments et ils commencent à dire « mais 400 Hz, mais 200 Hz, et quoi ?» Vous auriez au moins dû expliquer que dans l'aviation, il y a des moteurs à 400 Hz, mais que ça coûte énormément d'argent parce qu'on y utilise du matériel conçu avec des feuilles très minces, d'une épaisseur de 0,1 mm ou même 0,06 mm. Ce type de matériel est cher et exige un traitement spécial. Après le ponçonnage, ils doivent être cuits sous vide à une température de 1200 degrés pendant 6 heures. Imaginez les coûts. Et vous dites à tout le monde que tout cela est connu et que tout le monde le fait. Oui, des gens l'ont fait et le font toujours, mais tout cela coûte beaucoup d'argent et n'est pas destiné à une consommation générale. Parce qu'il y a une grande teneur en nickel et tout le nickel qui est produit en Russie ne suffirait même pas pour le dixième de la nécessité de produire ce genre de matériel électrique. Par conséquent, ne racontez pas de contes de fées et ne trompez pas les gens. Car si vous êtes des amateurs, mais c'est votre problème. Si vous voulez vous tromper, alors trompez-vous, c'est également votre problème. Sinon, ces moteurs de l'industrie générale auraient depuis longtemps été fabriqués en utilisant une technologie différente. Votre prochain argument est le suivant. Si cela était nécessaire, le monde entier l'aurait produit depuis longtemps. Eh bien, pour parler du monde entier, commencez par vous-même. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise. Vous venez voir le PDG et vous lui dites « Monsieur Bruno, voilà ce que j'ai inventé, voici ce que j'ai fait. » Très probablement, le PDG vous dira « Cela ne m'intéresse pas. »
Vous savez très bien qu'il vous enverrait promener. Pourquoi ? Parce que Monsieur Bruno est également un employé tout comme vous et parce qu'il y a un patron qui a besoin d'un profit de l'entreprise. En ce qui concerne toutes ces innovations, le patron n'en a pas besoin, comme Monsieur Bruno et même comme vous personnellement, car votre salaire n'en dépend pas. Par conséquent, même si l'on trouve des solutions, on n'en parle pas car personne n'en a besoin. Là, par exemple, il y a un moteur fabriqué en Chine et vendu par une société russe. C'est en Russie que travaillent les responsables des ventes et les spécialistes de services après-vente. Ces moteurs sont bons car ils ont un bon contrôle d'entrée. En raison de cela, ces moteurs ont des avantages, mais ils sont tous fabriqués en utilisant la technologie soviétique. En Chine aussi, cela est fait en utilisant la technologie soviétique. Personne ne changera rien parce que le schéma de production a déjà été élaboré et cela fonctionne bien. Pourquoi changer quelque chose? Pourquoi la Chine devrait changer quelque chose? Personne n'en a besoin. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est le monde scientifique. Imaginez ce qui se passerait si le scientifique prenait la parole à une conférence et disait « Chers collègues, j'ai raté ma vie, j'avais tort parce que je ne faisais pas ce que je devais faire, j'avais profondément tort, donc tous mes travaux doivent être annulés, je dois abandonner tous mes titres et m'engager dans d'autres choses. » Pouvez-vous imaginer une telle situation? Je pense que personne ne le fera. Et jusqu'à ce que le dernier adepte de la théorie classique disparaisse, personne ne va l'avouer. Ce n'est que plus tard qu'ils parleront des problèmes internes. Maintenant, ils parlent beaucoup du grand Nikola Tesla, mais ils oublient John Morgan. Pourquoi? Parce que derrière Tesla se trouvait toujours Morgan. C'est Morgan qui finançait toutes les recherches. Tesla travaillait. Mais quand les gens venaient lui dire « Nicolas, faisons-le ensemble », il répondait « Je ne peux pas, parce que j'ai signé un contrat avec Morgan. »« Eh bien, travaillons sous ton propre nom. » Ça s'est terminé comment? Morgan a pris les projets les plus efficaces et Nikola Tesla est mort dans la pauvreté. Vous avez oublié cette histoire? Bien sûr que oui, je vais vous la rappeler. Tout comme le grand Einstein, si quelqu'un a lu et regardé ses brevets. Les brevets sont partout émis à double nom, par exemple Einstein-Anschutz. Et pourquoi le second auteur est-il toujours présent? Parce que c'est un homme qui travaillait à l'office des brevets. Vous pouvez chercher et voir. Ce n'est que lorsque les derniers adeptes mourront que tout cela sera révélé. Mais à présent, nous ne parlons pas de ça, mais de nos moteurs. Dites-moi, grand scientifique, pourquoi nous prenons 380 volts, 50 Hz, et à l'aide d'un régulateur de fréquence, nous le redressons, obtenons un courant constant et le convertissons à nouveau à 50 Hz. Cela dépend des caractéristiques d'accélération. Nous pouvons avoir un maximum de 60 Hz, car les États-Unis font de telles fréquences pour vérifier. Mais toutefois, pas plus de 200 et 400 Hz. Pourquoi ne pas le faire? C'est évident. La réponse est simple. Si le schéma classique le permettait, il le ferait. Mais le schéma ne le permet pas. Par conséquent, si vous faites un circuit classique de 150 Hz pour un moteur, vous devrez soit réduire la puissance globale et l'induction pour réduire les pertes, soit ce moteur se réchaufferait tout comme un poêle, c'est tout. Par conséquent, ils ne le font pas, même si c'est évident. Mais nous le faisons. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre idée fausse qu'ils ne veulent pas abandonner. Celle qu'ici, c'est la composante de Fourier principale qui chauffe le moteur. Cependant, ce n'est pas la composante de Fourier principale qui chauffe le moteur, mais les composantes impaires qui le font. Mais il est d'usage de dire qu'il est nécessaire de réduire la troisième, la cinquième, la septième composante, car ce sont elles qui causent la perte maximale. Mais en fait, ce n'est pas le cas,
car si vous décomposez ces harmoniques avec des programmes dans les séries de Fourier, vous pouvez y voir des composantes dans l'ordre supérieur. Comment sont-elles formées? Ces composantes de Fourier se forment lorsque les dents du rotor passent devant les dents du stator. C'est justement ces harmoniques qui génèrent des distorsions et qu'il faut combattre. De plus, si nous prenons un moteur à 24 rainures dans le schéma classique, les 8 dents ont une induction presque nulle à un moment donné. Cela signifie que le flux essentiel passe par les dents restantes. Si nous utilisons la technologie Slavenka, alors nous obtenons 2 dents avec induction nulle. Cela signifie que le flux passe plus uniformément, respectivement l'induction est moins importante, par conséquent il y a moins de perte d'énergie. Et le fait que ce n'est pas la troisième ni la cinquième composante de Fourier qui joue un rôle, mais celles qui sont plus élevées, c'est confirmé par le fait que les moteurs avec une vitesse de rotation plus élevée, disons 3000 tours minute, ont une plus grande efficacité. Cependant, si vous faites un moteur de la même dimension, mais non pas à 3000 tours minute, mais à 750 tours minute, son efficacité diminue. Mais si vous augmentez la vitesse de rotation, l'efficacité augmente. Vous pouvez chercher sur Internet, par exemple, un moteur de type AIR 100 L8 et voir les données. Son efficacité est de 76,5%. Nous cherchons plus loin et nous voyons que le moteur de type L6 a une efficacité de 77,7%. Mais si nous prenons 3000 tours minute, l'efficacité sera encore plus grande selon les tableaux techniques. Si tout cela est comparé, la conclusion sera la suivante. Il est nécessaire d'augmenter la vitesse du moteur et d'augmenter la fréquence du courant. Voici les moteurs de type AIR 100 L8. Ce sont les soi-disant moteurs d'honneur avec les caractéristiques que je vous ai montrées. La chose la plus intéressante est que si nous prenons les donneurs L6 et L8, ils sont souvent fabriqués dans le même boîtier et avec la même conception afin de réduire le coût de production et de ne pas avoir à reconfigurer les machines dans les entreprises qui utilisent ces moteurs. Mais il est à noter que le moteur de type L8 a des caractéristiques un peu différentes de celui du type L6 et le flux est distribué différemment. Que peut-on fabriquer à partir de cela alors? Nous avons donc pris le moteur de type AIR 100 L8 et l'avons modernisé en utilisant la technologie Slavenka. En résultat, nous avons obtenu le type L6. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie une chose très simple. Maintenant, un moteur similaire se trouve sur le banc d'essai. Les ingénieurs l'ont éteint pour qu'il ne fasse pas de bruit avant de passer à d'autres étapes de test. Nous avons obtenu des données simples, peu différentes du moteur d'origine. Quelle est la différence entre le moteur classique L6 et celui que nous avons obtenu? Dans le moteur classique L6, si vous regardez les caractéristiques techniques, vous pouvez voir le couple nominal de 22,4 Nm. Le moteur modernisé a un couple nominal de 26 Nm. Dans le moteur classique, le couple de démarrage est de 42,56 Nm. Dans celui modernisé, il est de 63 Nm. Soit une différence de 50%. Si nous regardons le moment critique du moteur classique, le maximum est de 2,2. Nous prenons 22,4 Nm multiplié par 2,2 et nous obtenons 49,28 Nm. Cependant, pour le moteur modernisé, ce sera 66,3 Nm. De quoi cela témoigne-t-il? Cela témoigne de ce que ce moteur est bon
et il a des caractéristiques stables. Mais cela témoigne également de ce que le moteur classique a une puissance de sortie de 2,2 kW et celui-ci modernisé de 2,6 kW. Mais selon les valeurs standards, nous devons avoir 2,2 kW. Ce qui signifie que pour retourner 2,2 kW, nous pouvons réduire le noyau de 20%. Respectivement, le coût de ce moteur en termes de matériaux diminuera donc de 20%. Est-ce que cette idée peut être utilisée? Oui, car c'est de l'argent, la possibilité de gagner en concurrence sur le marché. Et voilà la question. Pourquoi personne ne le fait? Après tout, cela a été prouvé depuis plus de 10 ans. La réponse est très simple. Quand ce moteur est bobiné pour 50 Hz, le spécialiste en bobinage fait les mêmes sections. Par conséquent, nous obtenons un moteur de 50 Hz. Mais si nous connectons les sections un peu différemment, nous obtenons un moteur de 100 Hz, de 150 Hz. Nous pouvons avoir jusqu'à 300 Hz, tandis que la taille des sections et le diamètre des fils restent les mêmes. Toutes les caractéristiques augmentent, la puissance, l'efficacité et surtout la classe d'efficacité énergétique. Si nous regardons les échantillons occidentaux, l'augmentation de l'efficacité énergétique du moteur entraîne toujours une augmentation des dimensions globales et des dimensions de connexion, ce qui n'est pas notre cas. Dans notre conception, la dimension d'un moteur ne fait que baisser. Un homme m'a écrit « Dmitri, vous avez absolument tort, car avec l'augmentation de la puissance du moteur, vous devez augmenter sa taille d'arbre. » Je demande pourquoi. Il dit « Parce que les couples moteurs augmentent. » Je dis « Pourquoi augmente-t-il ? » Les couples moteurs n'augmentent pas. Ce sont les tours qui augmentent et les couples restent les mêmes. En même temps, l'efficacité augmente, la consommation d'énergie diminue, la classe d'efficacité énergétique augmente, etc. Par conséquent, en utilisant la même gamme de moteurs et les mêmes composants, mais seulement en les assemblant différemment, nous pouvons obtenir 4 moteurs différents, 4 produits différents, avec le même outillage et le même principe de production. Est-ce que c'est rentable ou pas? Question, pourquoi personne ne le fait? J'ai déjà expliqué les raisons. Mes chers détracteurs, vous perdrez dans cette bataille pour une raison simple. Vous avez essayé de différentes manières à retenir ce processus, mais vous n'avez pas réussi à le faire. Et les moteurs de ce type-là seront déjà produits en série. Et dès qu'ils sortent après la certification en vente massive, et cela à des prix raisonnables, avec des caractéristiques magnifiques, alors vous serez, pour ainsi dire, remercié par tous ceux qui vous croyez. Parce que les entreprises qui sont normalement engagées dans la revente de produits chinois perdront progressivement leurs clients. Et ils auront 2 solutions. Soit de s'engager dans la production de nos moteurs, soit de disparaître, car nous ne parierons pas sur la Chine, mais sur la Russie. Je vous aurais prévenu. Par conséquent, si vous ne changez pas d'opinion dès à présent, personne ne vous dira merci, y compris vos enfants. Et ensuite, vous serez obligé de cacher que vous avez fait ces conneries. Vous avez peut-être gagné sur cela ou poursuivi d'autres objectifs car vous n'êtes pas honnête, c'est votre affaire. L'argent n'a pas d'odeur, comme on dit. Mais vos enfants vivront dans un monde que nous laisserons après nous. À noter que le monde que nous faisons et celui que vous faites sont radicalement différents. Ce sont de véritables antagonistes. Ce n'est qu'un moteur et il peut déjà créer beaucoup de problèmes pour vous, car la dimension 100 est très demandée. Nous avons également une autre direction.
Nous travaillons maintenant avec les fréquences allant jusqu'à 600 Hz et nous nous préparons à aborder les 900 Hz. Cela suggère que nous pouvons obtenir sur l'arbre des rotations complètement différentes qui étaient auparavant inaccessibles. Cela signifie qu'un certain nombre d'équipements peuvent être révisés en termes d'intensité métallique. Par exemple, les pompes, les ventilateurs, les broyeurs, les outils et beaucoup d'équipements. Leur intensité en métal chutera. Qu'en pensez-vous? À quel moteur et à quel producteur les clients donneront-ils la priorité? Ou le prix sera-t-il acceptable? Avec les anciennes technologies ou avec celles-ci, les nôtres? Par conséquent, préparez-vous, car la société Sovelmash commence progressivement à passer de la construction à la mise en œuvre de ces développements et de les mettre en production. Préparez-vous, car vous avez un peu de temps pour réfléchir. Mais à la fin, tout le monde devra être responsable de tout ce qu'il a fait dans la vie. Les gens qui sont engagés dans l'attraction des investissements, la promotion du projet, la couverture de ce projet dans les médias, ils ont réalisé une grande chose. Tout comme d'autres personnes qui s'occupent de la couverture d'autres projets. Je ne me suis jamais permis d'insulter d'autres projets ou de dire qu'ils sont mauvais parce que je ne suis pas un expert dans ces projets-là. D'autant plus que les pseudo-spécialistes qui ont trouvé un moteur et disent qu'il s'agit d'un moteur de chez Duyonov, bien que ce ne soit pas le cas, suscitent toujours de l'ironie. Et la chose la plus intéressante est qu'en fait, ils ont trouvé un moteur chinois traditionnel et ils ont dit plus tard que ce moteur avait été produit par Victor Aristov. Mais Victor n'a rien à voir avec cela. Ces experts qui ne maîtrisent pas les programmes, ne connaissent pas les méthodes de recherche, ni la façon dont les études sont menées, ni les principes d'échantillonnage, ils osent juger quelque chose. Voici notre moteur. Regardez-le. Tous ceux qui doutent de ses caractéristiques, venez vérifier. Cependant, vous devrez exprimer votre opinion sur ce que vous avez vu et ajuster votre point de vue en fonction de votre expérience. Maintenant, il y a 50 moteurs sur cette pile. Avec leur aide, les équipements industriels sont débogués, ensuite ils seront produits de manière industrielle et ensuite soumis à la certification. Nos employés de laboratoire ont élaboré des programmes et des méthodes. Les conditions techniques pour ces moteurs sont maintenant élaborées. Tout le soutien documentaire est préparé et tout sera fait. Mais vous, chers détracteurs, qu'est-ce qui vous guide? Ouvrez au moins Internet. Prenez une calculatrice et comptez. Ne faites pas de bêtises. Prenez soin de vous. Prenez soin du monde autour de vous. Et je pense que par un bon raisonnement, vous ferez un bon choix. Ne faites pas d'erreur, car vous devrez payer cher pour cela. Et ceux que vous avez détournés du projet ne vous diront pas merci. Bonne chance et à bientôt.